mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La commune de Pétionville risque d'être transformée en repère de gangs dans les prochains mois si rien n'est fait. C'est ce qu'a révélé l'un des membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion CNDDR, Jean Rebel d'Orsena. Haïti pourra bénéficier dans 5 à 6 mois du nouveau traitement oral contre le coronavirus mis au point par le laboratoire Pfizer. L'annonce en a été faite par le porte-parole de l'agence United basée à Genève, André Verhoosel. Les dirigeants du secteur démocratique et populaire saluent la mise en application de l'accord du 11 septembre. Selon eux, le pays est sur la bonne voie. L'un des membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, CNDDR, M. Jean Rebel d'Orsena, prédit que Pétionville pourrait être transformée en zone de non-droit dans un an si aucune disposition ne bloque le développement des gangs. Pétionville est déjà ceinturée, confie M. d'Orsena, qui détient des informations sensibles des services d'intelligence. Si vous avez un bail qui fait dans 2 ans, ou son an 1 an, dans 6 mois, vous avez un bail, puis vous avez la pire de bail matisant. Hein? Ça fait ça? Parce que, puis vous avez un bail qui est en faut qu'on déploie parce que nous avons gagner tout contre la terre. Et si vous avez un bail qui fait, dans 6 mois, Kabina, Pétionville a pire de Baye Matisan. Tout le monde a Pétionville pour aller quitter Pétionville, même avec Matisan. Est-ce que ça veut dire que gang, gang qui déjà habité Pétionville? Définitivement. Il y a point contrôle de Pétionville, vous le dites? Définitivement. Le président de la République, là, son sénateur Jovenel Moïse, a passé l'ordre avec toute institution pays pour agir sur le dossier. Ça. Il va y en faire. Et moi-même, je suis campé d'elle. Je connais. Et elle dépasse l'ordre avec ni premier ministre, ni ministre de justice, ni commissaire gouvernement. Ils ont toujours cherché une excuse pour dire qu'il y a une turbulence politique. La turbulence politique, là, qui s'allie. Turbulence politique, là, c'est vrai qu'il y a une turbulence politique. Mais qui ça vous fait? C'est la justice à agir. Si il y a un service de renseignement dans le pays, pas oublier, moi, je vais répéter pour vous. Palais national, il y a un service de renseignement. Ministère de la justice, gagné. Ministère de défense, gagné. Ministère. Et PM, Premier ministre, en soi, primature. Comme nous l'avons dit en titre, Haïti pourra bénéficier dans 5 à 6 mois du nouveau traitement oral contre le coronavirus mis au point par le laboratoire Pfizer. André Verhoosel, porte-parole de l'agence United basée à Genève, confirme cette information. Il explique que ces médicaments pourront être produits sous licence dans près de 95 pays et vendus à coût réduit en Haïti. Suivez les explications d'André Verhoosel au micro de Jean-Édouard Rigaud, notre correspondant permanent auprès des Nations Unies à Genève. United est une agence de santé globale qui a été créée il y a maintenant exactement 15 ans. Qui est abrité, donc hébergé par l'Organisation mondiale de la santé à Genève, et qui a pour but de donner accès à des médicaments et autres produits que nous utilisons au niveau médical aux pays avec un revenu plus modéré. Donc que nous puissions avoir les médicaments de dernière génération accessibles à des pays qui ne peuvent pas en payer le prix fort, si vous voulez. Donc c'est une agence qui travaille beaucoup sur le VIH, sur le paludisme et sur la tuberculose, mais qui pour l'instant, bien sûr, travaille également énormément sur le Covid-19. C'est même mieux que ça, puisque Haïti pourra bénéficier de la version générique, donc beaucoup moins chère et beaucoup plus facilement accessible de ce médicament. Ce médicament est donc un candidat traitement antiviral oral, donc une pastille qu'il faut prendre dans les 3 à 5 jours après avoir été contaminé par le Covid-19, et donc qui sera surtout destiné aux personnes à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont des risques aggravés en cas de contraction de la maladie. Donc ce n'est pas un médicament qui sera disponible à monsieur ou madame tout le monde,
Par contre, les gens plus âgés ou les gens qui ont d'autres maladies qui leur feront réagir plus fort à cette, au Covid-19 auront, après approbation bien sûr, accès à cette version. Donc la façon avec laquelle nous travaillons avec la communauté des brevets de médicaments, le MPP, qui est une agence que nous avons nous-mêmes créée, c'est que nous avons signé, ou que le MPP a signé un contrat avec Pfizer en recevant la licence pour fabriquer dans 95 pays, dont Haïti, la version générique de ce médicament. Et maintenant, le MPP peut donner cette licence à de nombreuses entreprises pharmaceutiques qui travaillent dans le générique, c'est-à-dire dans le médicament à moindre coût, mais avec la même qualité, et pour une série de territoires, dont Haïti. Ce qui veut dire que dans quelques mois, tout cela va prendre quelques mois, je dirais 5, peut-être 6 mois, il y aura vraisemblablement dans ces 95 pays, ou en tout cas dans la majorité d'entre eux, la possibilité d'obtenir facilement et à coût très 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 réduit ces médicaments antiviraux contre le Covid-19. C'est une excellente nouvelle pour ces pays. La libération des prisonniers politiques est le résultat de la mise en œuvre de l'accord du 11 septembre selon les dirigeants du secteur démocratique et populaire. Des mesures seront prises en vue de la libération de certains autres prisonniers qui n'ont pas bénéficié du même sort qu'Ariel Arnel Bélizer, Pierre Kilic Sémélus ou encore Gary Philémon, font-ils savoir. En conférence de presse ce mardi 30 novembre, les dirigeants du SDP saluent les impacts de l'accord du 11 septembre qui commence déjà à se faire sentir, selon Maître André Michel. Jodi a, accord 11 septembre 2021, eh bien son accord qui est renforcé, son accord qui gagne représentativité, son accord politique qui gagne légitimité. Et, mes amis, frères, sœurs, on fait route là ensemble. Nous, personne ne peut pas arrêter sous côté. Ensemble pour nous faire route. Accord 11 septembre 2021, nous signons avec une bonne autre organisation politique, accord ça, lui retirer obstacle qui était empêché nous joindre libération prisonnier politique. Et qui en pile l'autre prisonnier politique qui est en prison. Abelson Gonègue, Koutoua, on bonne l'autre à travers le pays. La garantie que nous voulons donner aujourd'hui à la population, c'est que pas aucun prisonnier politique qui a prêté dans la prison. Et, dans le jour où venir là, nous venons pour nous rencontrer avec l'autorité pour nous capables d'accélérer le dossier libération reste prisonnier politique. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est 5 à 0. Ça, c'est pas parler en pile. C'est pas blablabla. C'est pas attaquer SDP. Attaquer du SDP. Ça, c'est résultat. Des populations intelligentes. La gade, qui moun kap make gol, qui moun kap bay résultat. Résultat, yo, c'est nous kap bay. À quoi politique nous fait 11 septembre 2021, c'est un accord politique pour nous continuer à porter revendications peuple. Le gouvernement qui là, son gouvernement qui plus ou moins équilibré. Tout le monde connaît le sénateur Ricard Pierre qui représente le secteur démocratique et populaire. Nous n'avons pas rien à cacher. Tout le monde connaît côté Rosemont Bradel sorti, c'est dirigeant fusion. Tout le monde connaît côté Alex Lassen sorti, c'est mon Sorel Jacinthe, la Sumel. Ça veut dire, gouvernement qui l'a, son gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Il y a des gens dans tout qui ont tendance, jovenelistes, PHTKistes. Ils ont là tout. Et n'a avancé. Le Service national de gestion des résidus solides, SNGRS, ne dispose pas d'assez d'équipements pour mener à bien sa mission. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de cette institution, Jean-Rony Duvelsin. Il en a profité pour inviter la population à collaborer dans le cadre de la lutte contre les immondices. Question du ramassage d'odia n'est pas faite souvent dans des confettures. Parce que comme on dit, c'est que mairie a gain de responsabilité énorme dans la question de ramassage d'ordures. Mais il y a toujours gain de frais que le ministère de l'Intérieur est toujours bas.
et automatiquement ou gen frère ça yo yo habilité ou même pour faire travail ou gen pour faire qui sera massage d'odieu. Nous même non avant nous fait même comme ça avant de arriver là nous rendons compte que te gen en pile côté que la mairie pas gen opportunité pas gen vraiment moyen pour que li collecter déchets ça yo. Et mais ça nous te fait nous te en pour parler avec yo nous mandi yo qui véritable problème que ou même yo dégay. Et vérité pour la nexalté c'est que yo pas recevoir à temps allocation que ministère de l'intérieur ba yo pour faire au travail pour faire yo. Yo gagné matériel qui était qu'on fait matériel ça aussi des matériels qui pratiquement usagés qui a en panne qui en panne donc qui vient faire que yo pas ca répondre valablement avec obligation que yo même yo gagné et nous pral faire un task force qui pral qui gagné la donne MTPTC avec tout ça gagné comme équipement qui gagné CNE la donne qui gagne et SEIE la donne et puis qui gagne DPO et la donne. Non 10 ans avant, il était service national service métropolitain, il était gagne presque 40 compressifs. 40 compressifs qui était là qui t'a ramassé question bar fatra, non seulement Port-au-Prince. Mais l'un transféré de service métropolitain avec service national là qui fin gagne ou vin gagne tout ça gagne comme question. Donc multiplier pas 10 kounya là. Kounya nous vin moins sio même pas 10 ou bien pas 20 parce que jodi a nous gagne à peu près 38 parc automobile nous gagne 38 véhicules y compris les motocyclettes. Les nous gagne 12 heures qui dans routier c'est site de décharge là côté que 2 heures obligé de travail tout le temps. Et kounya la n'a pas li ala li gon ti problème pour ça parce que chaque fois on panne compagnie fait tant pour le faire commande dans pour joindre donc il vient faire que des fois grand pile difficulté pour fonctionner par exemple nous gagne des compressifs que nous gagne qui dans automéca qui acheté mais qui pas approprié avec travail qui a fait qui en panne de très souvent et yo toujours pral dans réparation pral ranger et jodi dans semaine toute passée là nous t'ai presque n'importe 5 compressifs qui en panne mais on commence à bouillir tourner ba nous hier nous recevoir 2 qui gagne fini ranger côté l'autre c'est on dit t'ai gagne environ 80 et nous gagne presque tout matériel ça en panne nous vienne joindre tout matériel ça en panne il y a des pannes majeures de panne caoutchouc c'était panne caoutchouc là branché déjà c'est des véhicules à classer c'est des véhicules à classer et qui t'écoutent l'état en paquet l'argent et je dis ou bien de mauvais entretien parce que nous pas opiner sur yo pour nous dire mais comment yo passé parce que là nous vinn joindre déjà dans espace dans cimetière côté que yo dit c'est des véhicules à classer donc on apparaît ça yo pratiquement là au disponible. Des personnes à mobilité réduite invitent les autorités à se pencher sur les conditions de vulnérabilité dans lesquelles ils vivent depuis plusieurs années. Ils continuent d'exiger un logement décent. Par ailleurs, ils ont annoncé une marche pacifique pour le jeudi 2 décembre, à la veille de la Journée internationale des personnes handicapées. Suivez les explications de Maître Brunel Louis-Jean, avocat non-voyant. Constitution, pays, nous maman loi pays, à l'article 22, dit l'État haïtien doit tout citoyen logement, priorité logement social. Eh bien, nous-mêmes, nous avons besoin de EPPLS, est-ce qu'elle vend mission? Est-ce qu'elle faillit avec mission? Parce que il n'y a pas de 21e siècle. Pour mon handicapé à dormir dans la rue, ça sont criminels. Handicapé s'il pas mangé, il pas manger. Eh bien nous-mêmes nous dit faut que c'est eux regarder nous c'est monde comme tout le monde. C'est peut-être ça nous demande justice. Nous demande mes amis pays pas que tout le monde ça avec tout diplôme ça tout doctorat ça dans main yo pour accepter pour crime ça fait pour l'état haïtien à peser handicapé comme ça tout handicapé à torturer là dans pays où il y a du pays où il y a démocratie. Et mais on pas qu'à manger pays ou pas qu'à démocratie, on pas qu'à boire, on pas qu'à l'école, pas qu'à état des droits. Ça c'est crime. Nous demandons justice et peut-être ça jeudi si Dieu veut. N'invitez tout handicapé en dans pays là. N'envoie tonton marche cap gagner cap sorti devant bureau secrétaire d'état là, nous prend le bout affaire sociale. Quel que soit dans coin handicapé ayé, nous demandons parents handicapé accompagner que be faire boire que be bol que be kiyé pour n'aller reler en moi. Devant la société, il y a qui misère à faire nous passer. Nous n'avons pas plus que 1 million de personnes. Quand quelqu'un qui met le président pour nous, nous nous-mêmes, même si on fait intégration, il y a nous, on intégration baïonnée, il n'y a pas inclus nous,
au lieu d'inclure nous, c'est exclure dans la société. Eh bien, nous disons André Michel, dit qu'on a parlé en pile. Eh bien, mais quand on a dit qu'on a voulu dire un mot, nous disons Nenel Kassi, dit un mot, quand nous voulons, qu'on a eu le pouvoir, et pour dire un mot. Bah, nous pas capables de demander justice, mes amis. Nous demandons paix au secours. Mes amis, professeurs, au secours, nous devons de l'homme de justice. Nous pas capables de demander une clé pour nous dormir. Comme sénateur, pas touché, il y a un caravel pour nous. Comme député, il y a un caravel pour nous. Et ça fait demander justice. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.